Tout va bien. Contente de te voir. Contente que tu sois venue sur Kobo, Cal. Tu rechignes pas à la tâche, hein? Et tu fais toujours passer les autres avant toi. Comment tu sais ça? Les traces de terre sur ton pantalon, l'odeur de l'adrénaline, tes yeux guettent le danger, à l'affût. J'appelle ça l'œil du chasseur. Pour piéger une bête, le chasseur compte sur sa capacité à observer. Mais pour info, ton attitude amicale me trompe pas une seule seconde. Vraiment? Oh que oui! T'es né pour la chasse et tu le sais très bien. Qui t'a appris à chasser, Mozy? J'ai grandi dans une famille nombreuse. On était tous en compétition les uns avec les autres. Pour recevoir de l'attention. De la nourriture, parfois. Je devais être la plus forte pour me démarquer. Ça a pas dû être facile. Ah, maman était plus dure avec moi. Toujours à me faire remarquer mes erreurs, à critiquer mes techniques. Au moins, ça t'a permis de t'endurcir. Peut-être. Mais j'ai fini par en avoir marre. C'est sûrement pour ça que je me suis sauvée ici. J'ai à peine connu mes parents. Ouais. Ben, c'est pas toujours une mauvaise chose, tu sais. À la prochaine. Suisse qui rapporte le plus.
en tant que criminel? Comme tout le monde, sans la culpabilité. Alors, c'est comme un droïde commandant? On vendra ça à la boutique de Doma. On s'arrête. Identifiez-vous immédiatement pour le feu. Je tire une rocade. Cela ne
fin du combat. Tu peux me donner un steam, bébé ? J'ai eu chaud. Quelque chose, BD ? On verra si ça peut intéresser demain.
super. Super. On va apporter ça demain. La patrouille impériale devrait passer par ici d'une minute à l'autre. Le plus tôt sera le mieux. Et si vous avez l'appareil pour... Arrête de courir! À l'attaque! Ces pillards parviennent à repousser l'Empire. Au moins, ils servent à quelque chose. C'est parti. Le complexe doit se trouver dans le coin. Le seul moyen d'avancer, c'est de couper à travers. Toi aussi, t'as vu ça? On n'est pas seul ici. On dirait que c'est bloqué. Accroche-toi, BD. Je vais voir ce que je peux faire. Pas mal. La voie est libre, BD. On peut réessayer maintenant.
Certains de ces piliers pourraient être déplacés. C'est une belle trouvaille. À ton avis, BD, c'est quoi ce complexe? Santari Cree disait qu'il renfermait la clé de Tanalore. Zed semble penser la même chose. Il n'y a qu'une manière de le savoir. L'Empire. Je ne pense pas qu'il nous ait vus. Avançons. Les pillards n'ont pas l'air d'aimer les impériaux plus que nous. Ils ont dû abattre cette capsule depuis le Lucker Hulk. On va les prendre par surprise. C'est parce que des soldats comme toi se laissent distraire. Concentre-toi. T'arrêtes pas de venir ici. Mon entraînement porte ses fruits.
Des générations de Raoka ont élevé leurs petits ici. Puis l'Empire est arrivé, tuant et détruisant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Belle trouvaille, BD. Et voilà le travail. Même avant d'être endommagé, Zed n'aurait jamais pu venir jusqu'ici. Bien sûr, à l'époque de Kree, il n'y avait pas à se soucier de l'Empire. Qu'est-ce que je donnerais pour voir la galaxie à cette époque ? Pas les ennuis. Je ne mords pas, promis. Voyons voir. Du calme. Je suis un ami. Oh, par la mère des lunes, quel soulagement. Je suis nulle en combat. Je suis venue voir cette incroyable structure de la Haute République. Je ne m'attendais pas à devoir repousser des bêtes avec mon journal. Pardonne-moi, je parle trop. Je m'appelle Toa, au fait. Moi, c'est Cal. Lui, c'est BD1. Bon, l'Empire ne sera pas ravi de te trouver ici. Tu devrais peut-être retourner à la vallée. Je crois que je vais faire ça. Tu as pu voir cette structure de près ? Juste assez pour savoir que je n'y entrerai jamais. Mais on a de la chance. Elle a l'air intacte. D'après mes calculs, elle est là depuis des siècles. Tu auras peut-être plus de chance que moi. Elle est un peu plus loin.
Merci du conseil. Quel est le meilleur endroit pour boire un verre dans la vallée? Il paraît qu'il n'y a pas mieux que le Pailoun Saloon. J'avais peur que tu dises ça. Un jour, quelqu'un ouvrira une autre cantina. Tu as vu sur quoi il tirait? Un droïde espion. Quelqu'un d'autre a des yeux ici. Peut-être les pillards? Ouvrons les yeux. On a repéré le Jedi pas très loin. Dis pas ça. Je suis pas prêt pour ce combat. Alors prépare-toi. Essayons de ne pas finir comme lui. Merci, BD. Le complexe est proche. On a juste à traverser cette forêt pleine d'impériaux et de bêtes voraces. Ça fait pas de mal d'avoir des steams.
On dirait un disque de données. On doit continuer, BD. Je dois trouver un autre chemin. Ce terminal devra attendre. Faire l'Empire sur une planète reculée comme Kobo.
Mon pote ? Qu'est-ce que c'est ? Tu peux me rafistoler ? C'est juste ce qu'il me fallait. Ces graines méritent une terre de bonne qualité. Celui-ci est pas mal. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a pas l'air très sûr. J'ai du mal à respirer. Je me demande si Z a des infos là-dessus.
crois que cette substance a quelque chose à voir avec le complexe ? Voilà donc l'œuvre de Santari Cree. Si le reste de l'histoire de Zed est vrai, la clé de Tanalore devrait se trouver dans les parages. Pas moyen de passer à travers. Pas de courant. Cet endroit a dû être abandonné et oublié. Oui, je suppose que Zed n'a pas oublié. Après toutes ces années, elle n'a jamais abandonné sa mission. On peut pas la laisser tomber. Je crois que cette créature est coincée. Je peux pas la délivrer. Passons en dessous pour le moment. C'est fermé. Ok, ça fait mal. Trouvons un autre chemin. On pourra peut-être l'aider plus tard. Ce truc mu. Il y a quelque chose ici qui a un gros appétit.
J'ai jamais vu de technologie comme celle-ci auparavant, alors que j'ai démantelé de sacrées machines sur Braca. On a déjà vu ce genre de technologie, mais pas à une telle échelle. Comme pour la salle de Z. Il faut bouger.